La rencontrant chez des amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires et des scoubidoubidou. Ah, pommes, pommes, poires et des scoubidoubidou. Ah, et des scoubidoubidou. On a dansé toute la nuit, puis un jour on est parti chez moi discuter de l'amour et des fruits. Comme elle se trouvait bien chez moi, aussitôt elle s'installa, et le soir en guise de dîner, elle me faisait manger. Elle vend des pommes, des poires et des scoubidoubidou. Et des scoubidoubidou, ah, et des scoubidoubidou. Ça ne pouvait pas durer longtemps, car les fruits, c'est comme l'amour, faut en user modérément, sinon ça joue fou. Quand je lui dis, faut se quitter, aussitôt, elle s'écria, mon pauvre ami, des petits comme toi, on en trouve par milliers, qui vend des pommes, des poires et des scoubidoubidou. Pommes, pommes, poires et des scoubidoubidou. Et des scoubidoubidou. La leçon que j'en ai tirée est facile à deviner. Célibataire, vaut mieux rester plutôt que de croquer. Elle vend des pommes, des poires et des scoubidoubidou. Pommes, pommes, poires, poires et des scoubidoubidou. Et des scoubidoubidou. Et des scoubidoubidou. Et des scoubidoubidou. On fait ça. Et des scoubidoubidou.